dire un certain nombre de points. Un certain nombre de points sur l'introduction à Maximo, ce que Maximo Suite est un peu sur le marché. Le sujet de Maximo Application Suite est condensé. On va essayer de mettre beaucoup d'informations en 60 minutes, un peu moins parce qu'on va quand même laisser un peu de temps pour des questions-réponses et aussi pour interagir. Il y aura aussi deux sondages et on compte sur votre participation pour répondre. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps, 30 secondes, et ça va nous permettre d'avoir plus d'informations sur l'environnement que vous utilisez, etc. Alors, avant de commencer, on va un peu vous parler de SmartTech, qui sommes-nous pour les clients et les participants qui ne nous connaissent pas. Ben, nous sommes une société qui se spécialise dans la gestion des actifs. On le fait depuis 2004-2005, donc plus de 22 ans. Et on le fait spécialement avec IBM Maximo. On a déployé des projets en Amérique, au Canada, en France, en Espagne, au Maroc, en Algérie, un peu partout, chez des différentes industries, donc oil and gas, healthcare, etc., etc. Et durant ces années, en fait, nous avons reçu beaucoup de demandes de clients sur des besoins spécifiques qu'on a pu développer au fil de l'eau. Et on a créé des add-ons, en fait. Bon, les gens qui connaissent Maximo, ce sont des extensions qui permettent de renforcer les capacités de Maximo existantes. Je vais commencer à faire une petite description de ces modules avant de passer aux autres sujets. Donc, le premier point, c'est Project Link, qui est une intégration entre Maximo et Project Manager, Microsoft Project Manager. Alors, la plupart des clients qui ont un standard de gestion de projet, ils veulent rester dans le standard. Donc, ils ne veulent pas avoir la gestion de projet sur des outils différents. Donc, Project Link, c'est cette passerelle entre Maximo et Microsoft Project que les clients utilisent pour garder la gestion de projet dans Microsoft Project. Smart Maximo Mobile répond à la problématique de mobilité des clients, mais pas juste de la manière la plus standard. En fait, Maximo Mobile permet d'importer et d'exporter tous les processus de Maximo sur le mobile, mais de manière très personnalisée. Il faut voir ça comme étant une offre as a service, c'est-à-dire on customise l'expérience utilisateur, l'inspecteur, les gens qui font de l'inventaire ou bien qui font de la réception, de manière personnalisée au client, qui permet en fait beaucoup de flexibilité pour le déploiement de la mobilité pour un environnement Maximo. Navigator, c'est un add-on qui est phare. Beaucoup de clients font beaucoup de demandes par rapport à ce produit parce qu'il permet de multiplier par 10 le temps de recherche, enfin plutôt le temps pour trouver un équipement en utilisant les fonctionnalités basiques de visualisation. Donc là, on prend un actif à l'intérieur de Maximo et on peut voir une vue explosée de l'actif avec toutes les composants à l'intérieur. Avec un simple clic, on peut accéder à l'inventaire, on peut faire un recorder, on peut faire un bon d'achat, on peut tout faire rien qu'en visualisant l'actif. Et ça permet une augmentation du temps de recherche et aussi de la performance des utilisateurs de la plateforme. Deux autres add-ons qu'on a comme Label Printing, ça permet à l'intérieur de Maximo d'imprimer des labels très, très pratiques concernant quand on travaille dans l'inventaire ou bien dans la réception des marchandises au niveau de Maximo. Et finalement, Send My Mail, c'est un add-on qui permet de lancer des demandes d'achat, des demandes de services, des demandes de devis qui s'adaptent à la langue de la personne qui est en face. Donc, si par exemple, le destinateur, c'est un fournisseur en Espagne, ben, la demande va partir en espagnol. Elle va contenir toutes les informations de Maximo, ce qui va permettre d'éliminer en fait, les copier-coller et les erreurs qui peuvent y venir, et aussi avoir une façon pour suivre et faire un follow-up de ces emails et de ces demandes. Bon, ça, c'est juste un subset des add-ons, mais ça vous donne un peu une idée sur quelle est la richesse qu'on peut créer en augmentant des add-ons. Et ça, c'est une expertise qu'on a développée au fil de l'eau et qu'on offre à nos clients comme un service ou bien comme des licences additionnelles. Alors, les tendances du marché et le pourquoi du comment. Pourquoi Mass et pourquoi aujourd'hui IBM elle fait ce mouvement. Je vais essayer d'être bref. En gros, les machines deviennent de plus en plus complexes parce que les clients ils voient un incentive, ils voient une motivation dans l'implémentation de technologies telles que le IoT, bien telles que l'intelligence artificielle, les aéroports, les ports, les immeubles, tout est connecté. Et du coup, on a beaucoup de données structurées et non structurées. Aussi, on a une nouvelle façon de faire en se basant sur l'IA qui est très différente de la manière traditionnelle de l'utilisation d'une gestion de la maintenance. Et du coup, il fallait accompagner ça. Donc, ça, c'est un exemple. On prend, par exemple, un camion dans une mine ou bien dans un factory. Aujourd'hui, les clients, ils sont très motivés pour implémenter, par exemple, les pilotes autonomes. Et qui dit pilote autonome, dit ordinateur embarqué, dit sensor, etc. Et donc, on a beaucoup d'informations à gérer. Et aussi, des techniciens, ils n'ont pas l'habitude
de gérer ça. Donc, ça, c'est une nouvelle façon de faire. Il y a beaucoup d'incentives. Donc, les clients, ils vont partir vers ça, mais aussi, il faut que la technologie qui supporte la maintenance puisse suivre. Ces changements-là, ils impactent aussi les techniciens. Je pense que le cœur du noyau de ce qu'on fait, c'est l'homme. Et il est important de savoir qu'aujourd'hui, on a des challenges. L'un des premiers challenges qu'on a, c'est que les gens qui ont le savoir, ben, ils sont à l'âge de la retraite. Bon, le métier de la maintenance GMAO, il a plus que 100 ans. Et donc, on commence à avoir des gens qui ont beaucoup d'expérience qui partent. Les technologies dont je viens de parler sont de plus en plus complexes. Donc, l'adoption de la technologie dans le process de la maintenance devient compliquée. Il est difficile de retenir de nouveaux talents parce qu'en général, la nouvelle génération, ce sont des gens qui sont habitués à Facebook, Instagram, Twitter ou autre. Et là, ils doivent rencontrer des technologies qui vont avec les habitudes qu'ils ont. Il y a aussi la façon de travailler. Bon, avec Covid, c'est un peu plus visible, c'est que les gens travaillent plus à distance, mais c'est une réalité qu'il faut voir. Depuis, en fait, la création de la notion de GMAO, donc, on a toujours accompagné cette maintenance au fil de l'eau, faisant de la maintenance réactive, basée sur les conditions réactives, en faisant de l'optimisation. Et Maximo Application Suite, c'est la réponse d'IBM, tant attendue par les clients et par le marché et par l'industrie de la maintenance, pour répondre à ces problématiques d'intelligence artificielle, d'objets connectés, etc. Et on va vous présenter dans la suite de la présentation quels sont ces modules et comment ils répondent à ces points et comment un client peut adopter la technologie pour améliorer son efficacité opérationnelle. Donc, avant de passer à la suite, je vous invite à prendre 30 secondes pour répondre à ce questionnaire. Après, on va voir les réponses très rapidement. Et je donnerai la main à Mohamed Srandaji pour la suite. Mohamed, Oui. à toi la parole. Parfait. Merci, merci Hichem. Donc, je vais présenter Maximo Application Suite. En quelque sorte, c'est quoi Maximo Application Suite? C'est tout simplement une suite d'applications. Donc, c'est plusieurs applications qui vont être disponibles pour une meilleure vue, une vue complète sur les actifs. Donc, vous voyez ici, déjà, on parle de cette application. Je commence par Manage. Manage, c'est l'équivalent de Maximo d'aujourd'hui. Donc, c'est l'EAM. Ensuite, il y a Monitor qui a un système d'alerte en temps réel. Health, ça va permettre de suivre l'état de santé d'actifs, surtout les actifs âgés, etc. Predict, c'est un autre outil qui va permettre l'utilisation des données de prédictifs pour prévoir les pannes. Visual Inspection, c'est un outil qui va nous permettre d'optimiser la réalisation et l'exécution des inspections visuelles grâce à l'intégration d'intelligence artificielle. Ensuite, Assist sera un outil mobile qui va aider le technicien lors de l'exécution de ses travaux. Et enfin, Safety,
qui est un dernier outil qui va permettre s'assurer que l'employé travaille dans des conditions sécures grâce à l'intégration de l'IoT. Donc, ce sont les différents modules de Manage. Aujourd'hui, quand on va se connecter sur Maximo Application Suite, ça va être ça l'écran de base. Plus tard dans la démonstration, on va vous montrer cet écran et aussi une démo live de Visual Inspection. Donc, ce sont les différentes applications auxquelles l'utilisateur va pouvoir accéder. Le premier module qu'on va expliquer, c'est bien entendu la Manage. C'est quoi Manage? C'est la nouvelle version, c'est le nouveau nom qu'on donne à Maximo. Donc, avant, dans l'ancienne version Maximo 7.6, donc on appelle ça Maximo, maintenant ça va s'appeler Manage. La première version, Manage 8, cette version, elle est sortie il y a à peine une semaine. Donc, c'est la toute première version qui est sortie de la nouvelle version. Quelles sont les nouvelles choses qu'on a dans cette nouvelle version? On a surtout une modernisation de l'interface utilisateur, donc un nouveau thème, des nouveaux éléments de navigation. La base de données en tant que telle, elle n'a pas changé, donc le modèle donné est le même. Cependant, le côté sécurité, donc ça a changé. Donc maintenant, si on veut intégrer, par exemple, Active Directory, donc ça ne va plus se faire avec Manage, mais ça va se faire à travers la couche MAS. Donc la gestion des utilisateurs va changer. Et le gros changement, ça va être côté infrastructure, avec l'intégration de la plateforme OpenShift de Red Hat et la notion de conteneur avec tout ce qui vient comme fonctionnalité dans cette plateforme OpenShift. Donc, il y a plusieurs, ça c'est vraiment le gros changement qui va venir, qui va simplifier le déploiement de l'application, que ce soit sur des clouds privés, ou sur le cloud de IBM ou d'autres clouds en quelque sorte. L'autre nouveauté, c'est le modèle de licence. Donc, pour ceux qui sont familiers avec l'ancien modèle de licence, on parlait de licence autorisée, on parlait de licence express, etc. C'est plus pareil. Maintenant, on parle de app point, de point d'application. Donc, Hichem va expliquer en détail c'est quoi l'utilisation des app points qui va amener beaucoup de flexibilité dans l'utilisation. Le dernier point, côté intégration, maintenant, et serveur applicatif, donc on utilise WAS Liberty, qui est une version de WebSphere. Les API, donc on n'utilise plus le RMI pour la connexion, donc ça va se faire avec le REST API. Et la possibilité d'utiliser les queues d'interface Kafka. Donc, principalement, ce sont les nouveautés qui viennent avec la version Manage. Ici, on vous présente quelques nouveautés côté interface utilisateur. Donc, on voit que les menus maintenant sont pliables. Donc, on n'a plus la notion de hiérarchie, donc menu en dessous de sous-menu, etc. Maintenant, ça s'ouvre en dessous d'une seule section. Vous voyez aussi que la barre de navigation peut être masquée pour permettre plus d'espace. Une autre amélioration qui va rendre les onglets dans toutes les applications vont devenir ancrés. Donc, ça veut dire que lorsque vous vous promenez dans un écran, que vous descendez plus bas, les onglets vont toujours rester là pour savoir vous êtes dans quelle partie de l'écran. Aussi, les champs booléens, maintenant, ils sont rendus sous forme de boutons. Il y a aussi les onglets sont accessibles à travers des menus. Donc, plusieurs améliorations côté affichage. C'est sûr, il y a certaines fonctionnalités qui sont toujours là. Par exemple, la possibilité d'utiliser un concepteur d'écran, on peut toujours l'avoir. L'affichage conditionnel, c'est toujours là. Certaines fonctionnalités ont été enlevées dans cette première version de Maximo, de Manage, excusez le mot. Donc, comme il n'y a plus de multiples skins, donc maintenant un seul skin qui est disponible. Certaines propriétés comme la configuration d'espacement vertical ou l'affichage des libellés horizontalement, donc ça, ce n'est plus disponible.
Donc, avec Manage, il y a une nouvelle application mobile, ça s'appelle Maximo Mobile. Cette application, elle est déjà disponible depuis à peu près un mois et demi et elle peut être disponible, on peut l'utiliser avec la version Maximo 7.6.1.2, donc, ou bien entendu avec la dernière version Manage 8. Donc, le premier module qui a été rendu, c'est le module technicien et inspection, donc c'est le même, c'est dans le même application. C'est une application par rôle, ça ressemble beaucoup au Work Center. Ça permet aussi d'exécuter une forme d'inspection à partir d'une tâche, et ça, c'est une fonctionnalité très appréciée. C'est configurable, il y a le mode connecté, déconnecté. Il y a aussi la nouveauté de ce qu'on appelle le bouton bleu qui permet une simplification d'utilisation du mobile et un design optimisé des écrans. On va avoir ensuite une vidéo qui montre l'utilisation de Maximo Mobile. Juste pour vous montrer rapidement ce bouton bleu. Donc, en quelque sorte, il va y avoir toujours un bouton bleu dans l'écran qui va indiquer à l'utilisateur la prochaine action qu'il doit faire. Ici, par exemple, pour démarrer un plan de travail, pour démarrer le travail ici, pour terminer, lorsque l'employé termine toutes les tâches, ça lui montre le bouton Done, etc. Donc, ce bouton bleu est configurable, ça va permettre une simplification de l'utilisation. C'est configurable comme application, donc pour modifier les écrans, aujourd'hui, il est possible de modifier l'écran par édition de page XML. Plus tard, il va y avoir une version où on va avoir un vrai concepteur d'écran comme dans la version Maximo. Cependant, la version qui est disponible actuellement, elle permet d'avoir des écrans configurables. Le prochain outil, c'est Assist, qui va de pair avec la mobilité. Donc, c'est quoi Assist? Donc, c'est un outil qui va permettre d'assister le technicien dans l'exécution de son travail. Donc, ça s'accède à partir de l'application mobile. Il y a deux fonctionnalités dans Assist. La première fonctionnalité, c'est la possibilité de recherche. C'est quoi la possibilité de recherche? Donc, grâce à l'intelligence artificielle, quand le technicien sur le terrain a besoin d'aide, donc il va appuyer sur un bouton qui va permettre de rechercher de l'information dans une librairie d'informations disponibles. Donc, par exemple, l'exemple qu'on voit ici, je suis sur un banc de travail, un changement d'huile sur une pompe centrifuge. Je clique sur Assist, ça va me chercher tous les documents qui parlent de changement d'huile sur une pompe centrifuge. Et avec la notion de score de chaque document, ça me permet d'orienter vers le document le plus approprié pour la recherche que je fais actuellement. L'autre fonctionnalité qui est très appréciée aussi, c'est la possibilité d'avoir un collaborateur à distance. Imaginez, je suis devant l'équipement, j'ai un problème. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a déjà travaillé sur cet équipement, sur le même problème. Donc, je peux avoir demandé de l'aide de quelqu'un d'autre qui va se connecter avec moi. Donc, je peux partager une vidéo. Comme vous voyez ici, il y a plusieurs images qui arrivent et qui vont permettre à l'autre personne d'intervenir et de m'aider avec la notation ou avec la communication directe. Ça va être le deuxième volet du module Assist disponible avec Maximo Mobile. Nous avons ici une vidéo qui va vous permettre un peu de voir un cas d'utilisation de l'application mobile. Donc me voilà dans Maximo Mobile où je vais créer une nouvelle demande de service. Et cette demande de service, je vais la faire sur la pompe puisque j'ai un problème de vibration. Donc je vais m'aller de manière didacticielle en fait pour créer ma demande de service. On va voir que le problème il est plutôt dans le bâtiment B et je vais soumettre ma demande d'intervention, la 1234, qui est maintenant disponible en fait dans ma liste d'intervention. Je retrouve bien en fait ma liste d'intervention et l'idée c'est que j'aille m'assurer que j'ai bien l'ensemble des pièces et d'outillages dont j'ai besoin pour réaliser mon intervention. Une fois que j'ai tout ça, je démarre effectivement le trajet vers mon intervention. J'arrive sur site, je vais m'assurer effectivement d'avoir bien les bonnes pièces et le bon matériel avant de partir en intervention.
Je démarre mon travail une fois arrivé sur site, et une fois que j'ai démarré mon travail, en fait, je peux aller inspecter déjà l'état de la pompe. Donc là, je vois bien que c'est une intervention qui doit avoir lieu. Normalement, l'inspection se fait toutes les ans ou toutes les 3000 heures. Là, effectivement, je vais informer que j'ai eu un problème de son aussi, c'est pour ça que je me suis inquiété d'une vibration, et je vais terminer comme ça la première étape d'inspection. Une fois la première étape d'inspection faite, je vais me retrouver, là je vois que ça se surligne en fait dans la liste des tâches à réaliser. Donc les deux premières tâches, je les fais sans problème. Et pour la troisième, je demande de l'assistant à notre assistant intelligent. Là, il m'indique à 90%, c'est cette procédure qu'il faut suivre pour réaliser l'intervention. Donc je vais aller sur cette procédure qui a été écrite suite à une collaboration faite entre un technicien et un expert. Et je vais avoir pas par pas les étapes à suivre pour réaliser cette tâche. Une fois que j'ai réalisé l'ensemble des tâches, je vais demander si ça a été utile ou pas pour faire un feedback et pouvoir assurer un retour vers l'information. Une fois que j'ai réalisé toutes les tâches, je vais terminer mon intervention, vérifier qu'il a bien sorti les bonnes pièces comme je l'avais indiqué, il a dit le temps que j'y ai passé et je vais pouvoir terminer mon intervention. Parfait. Donc, je cède la parole maintenant à Fabrice qui va expliquer les autres produits de masse. Oui, merci Mohamed. Je vais récupérer le... Voilà, ici. Parfait. Donc, on va parler maintenant du module qui est la première marche vraiment vers l'analytics, hein, vers l'analyse des données. Et donc, avec Monitor, on va se connecter aux données, ensuite faire de la supervision. Et l'idée, c'est vraiment pouvoir faire de la détecter des anomalies de fonctionnement, hein. Et donc, c'est un fonctionnement qui se résume vraiment en quatre étapes. La première étape, c'est la connexion aux données. On va vraiment se connecter aux données, à la fois les données OT et IT. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir assurer la cohérence de l'arborescence des actifs, ainsi que des process qui sont en place dans la GMAO. La deuxième étape, c'est là où on va préparer l'analyse. Et ben, l'opérateur, il a accès à un catalogue de fonctions qui sont déjà préparamétrées, qui permettent de détecter des anomalies de fonctionnement. Et donc, on va mettre en place des alertes qui pourront déboucher sur l'ouverture de demandes de service directement depuis Monitor. Et tout ça, bien sûr, dans une interface qui ne nécessite pas ou très peu de code. C'est juste du paramétrage de fonctions, hein, tout se fait à la souris. Dans la troisième étape, l'opérateur ou le responsable va ensuite créer des tableaux de bord qui sont complètement personnalisés, simplement en utilisant des widgets pré-paramétrés et prêts à l'emploi. Et dans ces écrans, on va pouvoir effectuer le suivi des opérations et des indicateurs clés comme le taux de rendement synthétique, le TRS, la disponibilité ou le rendement des machines. Et enfin, ben, exploration en drill-down d'une usine vers un vue système, un composant, un actif et le capteur. On va investiguer les problèmes et alertes qui impactent directement les KPI et donc au final la productivité. Alors, dans la vidéo qui suit, on va voir comment Monitor va nous aider à détecter des anomalies de fonctionnement sur une pompe centrifuge. On se retrouve tout de suite après. Je me connecte à Monitor. Et là, je vois qu'une alerte a été remontée. On voit que l'alerte est taguée avec une gravité élevée. Je vais donc pouvoir cliquer sur l'alerte pour en savoir plus. On voit différentes mesures collectées automatiquement sur la pompe, comme la pression ou la température. Les valeurs de pression suivent d'ailleurs un cycle régulier avec des hauts et des bas. On peut constater plusieurs problèmes apparents sur cette série temporelle. Tout d'abord, ce qui a généré l'alerte. Des anomalies ont été détectées sur la mesure de pression par des algorithmes de machine learning. On les voit ici, ce sont les points rouges. Les algorithmes savent détecter différents types d'anomalies. Par exemple, lorsque la tendance d'une courbe monte graduellement avec le temps, même sans franchir un seuil d'alerte fixe défini. Ou alors, lorsque des changements de comportement brusques apparaissent dans une courbe, comme une ligne verticale,
Le degré d'anomalie d'une courbe est mesuré par un score. Plus le score calculé par l'algorithme est élevé, plus la mesure est anormale. Alors ici, lorsque j'examine la pompe de manière plus large, au travers de ce schéma, je vois que des problèmes de température existent également. On le voit ici à ces endroits sur la pompe. Ce schéma prend en compte plusieurs sous-équipements. Et à certains points sur les refroidisseurs, la température a excédé le seuil acceptable. On voit d'ailleurs des points où la température excède les 30 degrés. Grâce aux informations remontées par les capteurs connectés, je sais localiser exactement les comportements atypiques et donc je peux ensuite prendre les actions nécessaires. Une action, ça peut être de revenir sur le gestionnaire d'alerte et d'ouvrir une demande de service immédiatement pour qu'un opérateur puisse intervenir en urgence sur la pompe. Je vais assigner un spécialiste de la pompe comme Émile et il pourra ensuite suivre à distance l'évolution de l'inspection de la pompe. Alors voilà, trois choses à retenir sur Monitor. D'abord, une interface qui fournit une vue exhaustive et complètement centralisée des actifs de son parc d'équipement. C'est un système d'alerte sophistiqué qui s'appuie sur l'intelligence artificielle, les machine learning. Et puis, une solution qui est naturellement ouverte pour faciliter les connexions à tous les équipements et aussi aux sous-équipements sous-jacents. Alors, avec Monitor, on collecte les données, on les mutualise, on accède à un premier niveau d'analyse, on va monter d'un cran en sophistication avec LC Predict. On va voir que ces deux modules s'intègrent parfaitement dans une approche Industrie 4.0 avec une montée, je dirais, en puissance de l'analyse. Alors, tout d'abord, ELSE, le module Maximo ELSE, qui permet de suivre la santé des équipements au travers d'un score calculé à partir de critères variés. Alors, la solution, elle permet d'identifier d'un coup d'œil les actifs qui sont en souffrance, de remonter à la source du problème et ensuite de prendre des actions pour remédier à ces problèmes. Alors là où Monitor s'appuie principalement sur des données opérationnel pour détecter les anomalies de fonctionnement. Maximo ELSE s'appuie à la fois sur ces mêmes données opérationnelles, mais également sur les données qui proviennent de la GMAO. On va même pouvoir utiliser en entrée du score de santé, du score de ELSE, des informations qui proviennent de Monitor. Le score de santé va prendre en compte tous ces éléments et on va comparer le score de santé d'un actif par rapport au score de santé des autres équipements du même type, des autres équipements similaires. Alors, le score de santé, il s'appuie sur différentes sources de données disponibles. On calcule des indicateurs comme la performance de l'équipement, les données météo, les coûts de maintenance et on assigne à ces indicateurs un poids suivant l'importance de chacun de ces indicateurs. On calcule un score entre 0 et 100 pour chacun de ces indicateurs et on calcule le score de santé global de l'équipement en appliquant la moyenne pondérée de ces indicateurs. Et ici, on le voit, le score de santé pour cet équipement, il est de 31%. En plus du score de santé, on va trouver des indicateurs importants comme la criticité ou le risque. Et bien entendu, lorsqu'on a déterminé qu'un actif nécessitait une intervention, on va pouvoir agir et ouvrir un work order ou demander une inspection directement depuis le dashboard de ELSE. Alors, toujours dans la plateforme Maximo Application Suite, on va retrouver Predict, la solution qui donne accès à la maintenance prédictive, la maintenance prévisionnelle, pour les responsables de fiabilité. Alors, comment ça fonctionne, Predict? En fait, c'est 5 templates de modèles prédictifs qui sont fournis en standard dans l'outil et qui couvrent le spectre de ce que l'on peut attendre en matière d'anticipation des pannes. Parce que l'objectif, c'est bien ça, c'est pouvoir prévoir, anticiper les pannes de manière à pouvoir prioriser vos actions et prioriser aussi toutes les interventions en fonction de l'urgence de chacun de ces actions. En fait, Et ces modèles, ils sont agnostiques au type d'équipement, ils sont pertinents pour tous les types d'actifs et de pannes qu'on peut trouver, ce qui va vraiment créer leur spécificité. C'est les données qui vont être utilisées en entrée. Alors, on va voir tout de suite comment ELSE et Predict fonctionnent dans cette
petite vidéo qui rassemble, dans laquelle on va voir les deux outils, les deux modules. On se retrouve tout de suite après. En tant que responsable fiabilité, je me connecte à Health. J'arrive sur l'écran principal qui liste l'ensemble des assets définis dans l'application et auxquels j'ai accès. 722 équipements de tout type sont définis ici. L'une des manières d'accéder à mes actifs, c'est de passer par des vues pré-paramétrées. Je peux afficher les équipements les plus anciens, ou ceux en mauvaise santé, ou encore ceux qui sont en sous-maintenance. Et je peux aussi faire une recherche par nom. La machine que je recherche ici est la pompe IVT3456. Voilà, je me retrouve sur l'écran de contrôle de l'équipement IVT3456 qui présente plusieurs indicateurs importants, outre le score de santé. La criticité de l'équipement, le risque de panne, le remaining useful life ou encore l'âge de l'équipement. En dessous, on voit les indicateurs qui composent le score de santé comme la vitesse ou le torque. Des informations qui sont stockées dans des compteurs dans Health et remontées depuis Maximo ou Monitor. Je vais ensuite, suivant l'état de santé de la machine, décider de prendre des actions et d'ouvrir une demande de service ou un work order. On va maintenant se connecter à Predict. On va retrouver exactement les mêmes équipements que tout à l'heure et la même interface que Health et je vais une nouvelle fois afficher les informations relatives à la pompe IVT3456. En plus des indicateurs de santé, de criticité et de risque, j'ai accès aux indicateurs prédictifs qui sont affichés dans le dashboard principal et qui peuvent aussi entrer dans le calcul du score de santé. En dessous ici, je vais retrouver le détail des 5 modèles prédictifs inclus dans l'application. La probabilité de panne, le nombre de jours avant la panne, la détection d'anomalies, les variables impactantes dans la panne et la courbe de vie de l'équipement. Alors voilà pour Health et Predict. Hein, 3 points à retenir sur ce qu'on vient de voir. Hein. Les 5 templates de modèles prédictifs qui sont fournis en standard dans la solution et qui sont bien sûr prêts à l'emploi. Un score de santé des équipements qui est évolutif et qui s'appuie sur les données récupérées à la fois de Monitor mais aussi de Maximo et d'autres sources externes. Alors maintenant, on va parler donc de un sujet majeur dans l'industrie, la sécurité. Être conscient des risques, savoir mesurer ces risques en se basant sur des données factuelles, c'est vraiment l'apport majeur de Maximo Safety qu'on va voir tout de suite. Alors, des accidents de travail, c'est juste catastrophique. Il faut à tout prix éviter ça. Et ici, ce qu'on voit, c'est juste un exemple, hein, mais il faut savoir que les accidents qui impliquent un chariot élévateur en France, en tout cas, ils avoisinent les 10 000 par an. Alors, imaginez tous les autres cas de figure qui peuvent exister. Et donc, l'idée de Maximo Safety, c'est de se placer la conformité vraiment au centre de la sécurité, ce qui facilite l'identification et l'élimination des dangers sur les lieux de travail. Alors, comment est-ce que ça fonctionne, hein, Safety? Pour illustrer le fonctionnement de Safety, je vais mettre à la place d'une responsable d'équipe sur un chantier qui arrive le matin et qui va assurer que les travailleurs qu'elle encadre soient bien en sécurité. Elle veut s'assurer aussi que ces travailleurs sont dans des zones que ceux qui travaillent dans les zones à risque soient tous en sécurité. Donc, elle va se connecter à sa plateforme de maintenance digitale via une appli mobile. Elle va choisir le module Safety. Et à partir de ce module Safety, elle pourra identifier où se trouvent ses techniciens. Et dans Safety, elle va pouvoir également définir des zones qui sont restreintes à certains techniciens, à certains opérateurs. Pour lesquelles elle a un équipement adapté et requis. Alors, quand on parle d'équipement adapté, ça peut être des équipements spécifiques suivant l'endroit, le site sur lequel les personnes doivent intervenir. Et ici, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va délimiter les zones dangereuses par des beacons, par des balises qui sont installées un petit peu partout dans l'usine et qui vont identifier
telle ou telle zone à risque ou dangereuse, et alerter donc la responsable lorsqu'une personne non habilitée y pénètre. On va aussi équiper le technicien. Il va pouvoir compter sur des objets connectés qui possèdent des capteurs et qui renvoient de l'information en temps réel et qui vont permettre à la responsable de connaître à tout instant si l'employé est en danger, s'il est victime d'une chute, si son rythme cardiaque est bas ou élevé, ou encore s'il est exposé au gaz ou à des températures trop élevées, extrêmes. Voilà, et enfin, la responsable va, au travers du tableau de bord de safety, mettre en place les actions de protection, comme les zones dangereuses, et visualiser les statistiques d'alerte passée. Donc voilà, en conclusion, safety, c'est tout ça. On assure la sécurité des travailleurs en les équipant de capteurs et en balisant les sites à risque. Et ça permet aux superviseurs de dormir sur leurs deux oreilles. Je vais passer la main maintenant à Mohamed. Merci Fabrice. Donc moi, je vais présenter le dernier outil qui est Visual Inspection. Et il va y avoir, donc je vais partager tout mon écran. Je vais avoir un iPad, je vais avoir une application web. Je vais avoir un maximum masse. Est-ce que vous voyez mon écran? Parfait. Donc, je vais lancer, prendre la suite de la présentation. Donc, Visual Inspection, c'est quoi cet outil? Donc, c'est un outil qui va permettre de faire l'inspection visuelle et ou d'améliorer l'inspection visuelle grâce à l'intelligence artificielle. Juste arriver aux présentations. Les valeurs ajoutées, surtout d'un point de vue métier, donc ça va augmenter surtout la précision et la vitesse d'inspection. Il y a un cas que IBM au Danemark a travaillé avec un client où il faisait les inspections des ponts. Donc, avant, il faisait une inspection tous les mois. Donc, une inspection, ça prend un mois pour inspecter le pont. Maintenant, grâce au drone et à Visual Inspection, c'est possible de faire une inspection en une journée. Donc, un temps énorme. Donc, quand on peut implémenter la technologie d'intelligence artificielle pour répondre aux besoins d'inspection, on va pouvoir détecter les pannes plus tôt, optimiser surtout le préventif et donc, bien entendu, réduire le coût puisqu'on va intervenir quand c'est nécessaire. Le cas pratique qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est l'utilisation d'une inspection visuelle pour détecter une fuite d'huile. À partir d'une image ou d'une vidéo qui est connectée sur un actif, on va voir comment le système, grâce à l'intelligence artificielle, nous permettre de détecter la fuite d'huile. Comment ça fonctionne grosso modo? Donc, en entrée, on va partir avec une image, une vidéo. Donc, ça peut être un téléphone qui prend des images donc on prend des photos qui viennent de n'importe quelle source. Visual Inspection va nous permettre d'avoir des modèles d'intelligence artificielle basés sur du deep learning. Donc, c'est des modèles qui, eux, ils vont savoir, quand tu leur donnes une image, ils vont pouvoir vous donner en sortie, donc s'il s'agit d'une fuite ou pas, ou s'il s'agit de tel objet ou pas. Donc, tout cela, ça va se faire automatiquement par Visual Inspection. Et on peut, donc la suite, c'est plusieurs outils qui peuvent être connectés. Visual Inspection, par exemple, il peut connecter à moniteur. Donc, à moniteur, puisque je vais avoir d'autres indicateurs, je vais pouvoir exploiter aussi les résultats d'une inspection visuelle. Donc, comment je vais construire mon modèle dans Visual Inspection? Donc, tout d'abord, la première étape en haut à gauche, je dois avoir des images. OK? Donc, je vais avoir plusieurs images. Par exemple, ici, on a commencé par avoir plusieurs images d'une fuite d'huile. On a annoté ces images-là. Donc, c'est la deuxième étape. Donc, annoter, ça veut dire préciser la panne, elle est où, ou ce qu'on veut détecter, c'est où. Ensuite, on va entraîner ce modèle-là. Donc, Visual Inspection va nous donner l'outil pour pouvoir entraîner le modèle. Et une fois le modèle est entraîné, donc on va pouvoir le déployer et en quelque sorte, on va pouvoir l'exploiter. Donc, je vais vous montrer directement dans Maximo Application Suite comment on fait toutes ces étapes-là.
Donc, ça, c'est l'écran de Maximo Application Suite, la version 8.2. Donc, Visual Inspection, c'est parmi les modules. Donc, je vais le lancer. Mais la première étape, c'est vraiment l'ajout des images. Donc, je vais aller dans le dataset. Je vais choisir mon modèle. Donc, ça, c'est les images qui ont été préconfigurées et annotées. Donc, ici, pour la fin d'exemple, je vais vous montrer comment on ajoute rapidement une image. Donc, pour ajouter, je peux faire du drag and drop ou importer directement l'image de la source d'image que j'ai. Donc, ici, j'ai une image, je l'importe. Donc, j'attends qu'elle apparaît. Ensuite, je clique là-dessus pour pouvoir la noter. Donc, pour cela, je vais utiliser le carré pour annoter les images. Donc, un premier clic, un deuxième clic. Et ça permet de vraiment de déterminer les emplacements où j'ai une fuite d'huile. Donc, cette étape-là, il faut la faire pour toutes les images qu'on va capturer. Donc, c'est la première étape. La deuxième étape serait d'augmenter les données. C'est quoi augmenter les données? Donc, c'est une façon. À partir ici, dans notre exemple, on a 142 photos sur lesquelles on a travaillé, on a annoté. Le système, il peut, par exemple, je peux demander de flouter, par exemple, ces images-là. Donc, le système va générer 1420 photos qui vont être floutées, ou je peux aussi les tourner sur un flip horizontal ou vertical, dépendamment de quoi j'ai besoin. Donc, c'est sûr que le plus d'images que je vais avoir dans mon modèle, le plus mon modèle il va être précis. Et sachez que cette étape, elle n'est pas requise, donc ça permet d'améliorer la qualité du modèle, mais je ne suis pas obligé. Donc, ça dépend aussi de ma source de photos. Donc, si je sais que j'ai une caméra qui est stable et dans les conditions qui ne changent pas, donc je n'ai pas besoin nécessairement d'aller dans ces étapes-là. Donc, une fois j'ai mon modèle, donc que ce soit augmenté ou pas augmenté, la prochaine étape, c'est vraiment l'entraînement du modèle. Donc, ici, je vais appuyer sur « Train Model » et là, je vais avoir les différents types d'entraînement possibles, donc classification d'images, détection d'objets ou actions. Dans notre cas, on va parler de détection d'objets. Et il y a plusieurs ici modèles qui peuvent être utilisés pour l'optimisation. Donc, chaque modèle, c'est des modèles qui sont disponibles basés sur l'intelligence artificielle, sans rentrer trop dans le détail dans ces modèles-là. Mais chacun de ces modèles est destiné pour un type d'utilisation. Parmi les options avancées de l'entraînement d'un modèle, il y a le nombre d'itérations. Le nombre d'itérations, c'est en quelque sorte c'est l'algorithme que le système va tester et générer à la fin avec le modèle. Donc, sur combien d'itérations je vais passer. C'est sûr que le plus de nombre d'itérations, le mieux c'est. Cependant, si on met un grand nombre d'itérations, cette étape va demander beaucoup plus de ressources du système. Et le temps d'entraînement du modèle, ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc, une fois on a fait ça, donc il suffit juste de cliquer sur « Train Model ». Et ça, normalement, c'est la prochaine étape. Cette étape, par exemple, dans le modèle qu'on utilise aujourd'hui, ça prend à peu près 4 heures pour avoir un modèle qui est entraîné. Donc, une fois mon modèle il est entraîné, la seule chose qui va rester, c'est vraiment de déployer le modèle. Donc ici, vous voyez, ce modèle-là est déployé. Donc, si je veux déployer un autre modèle, je prends ici et je fais tout simplement déployer. Donc, avec ça, ça me permet de préparer mon modèle que je peux exploiter ensuite de diverses manières. Donc ici, on va vous montrer deux façons comment exploiter le modèle. Le premier modèle, la première façon, c'est à travers une tablette, un iPad. Donc ici, on va avoir une photo qui ressemble à une tache d'huile. Bien entendu, on est dans un bureau, il n'y a pas de tache d'huile ici, donc on va simuler une tache d'huile. Et on va prendre une photo à partir du iPad. Et le iPad, donc il y a une application gratuite qui est disponible sur le Apple Store.
de IBM et qui permet de détecter avec un certain pourcentage le taux si c'est il y a une fuite d'huile ou non. L'autre façon, c'est à travers une application web. Donc l'application web, on va la connecter à une caméra, donc à travers mon mobile, et on va mettre devant la caméra la même photo de tache d'huile, et la caméra est censée détecter cette tache d'huile. Donc, je vais commencer par partager l'écran du iPad. Donc, je vais mettre ça plus grand. Donc, l'application, donc vous voyez ici, c'est l'iPad. Donc, l'application Maximo Visual Inspection, donc elle est là. Donc, quand je l'ouvre, normalement, ça s'ouvre comme ça. Et ça me permet de capturer. Donc là, je vais me lever pour pouvoir capturer l'image. Donc, voici, donc, simuler une image de tache d'huile. Et quand je vais capturer... Donc, vous voyez ici, ça me permet de dire à 97% que c'est une tache d'huile selon le modèle qu'on a entraîné. Bon, c'est sûr qu'il y a des étapes que je n'ai pas montrées ici. C'est comment on a connecté le iPad au modèle déployé. Donc, ça, il y a des instructions qui permettent vraiment de faire ces étapes-là. Donc, de connecter le iPad au modèle qu'on a déployé sur Mass. Donc, le deuxième exemple qu'on va utiliser, ça serait à travers une application web. Donc, ici, j'ai une application web et j'ai une caméra qui est connectée. Donc, ce qu'on va faire au début, on va peut-être, je vais lancer ici le feed donc pour que la caméra, elle commence à analyser les images. OK. Donc, je vais mettre devant un carnet qui est vide, donc elle ne doit rien détecter. Mais si je mets l'autre image qu'on avait tantôt, donc ici, le système, il commence à détecter. Donc, vous voyez ici, ça permet de détecter avec un score de 92%. Donc, ça permet de dire que c'est une tache d'huile. Bien entendu, ici, l'utilisation que vous pouvez faire avec ça, donc c'est vraiment, ça dépend de votre cas. Mais ce que Visual Inspection vous permet d'avoir, c'est vraiment la possibilité d'avoir un modèle, de l'entraîner, donc avoir toute l'intelligence pour détecter quelque chose et ensuite exploiter cette intelligence-là avec d'autres applications. Et ici, on vous a montré deux exemples d'applications. Donc, avec ça, je laisse la parole à Hicham pour la dernière partie de la présentation. Très bien, merci Mohamed. Donc la dernière partie, donc c'est le licensing. Je pense que à partir du premier sondage, on a vu qu'il y a beaucoup d'utilisateurs de Maximo, donc je pense qu'il y a beaucoup de questions sur le nouveau mode de licensing qui se base sur les app points. En gros, en fait, avant de parler des app points, je voulais juste souligner qu'aujourd'hui Maximo, ça existe en mode souscription et en mode acquisition. Donc pour les clients qui veulent faire ça en capex ou bien en opex, ben ils ont les deux options. Je vais un peu ne pas trop m'attarder sur les détails. La nouveauté dans le licensing, c'est qu'aujourd'hui, pour MAS, Maximo Application Suite, tout est Application Points. L'idée, c'est de prendre tous les paramètres que l'on a pour l'utilisation de Maximo, le type d'utilisateur, le type d'application, les add-ons, les connecteurs et tout, et on donne un point de pondération à ces éléments pour créer un pool d'applications Points que les utilisateurs vont consommer au fil de l'eau.
Donc là, on a un point, un slide sur un peu les types de pondération qu'on a. Par exemple, Spatia, c'est 20 points. Un utilisateur de base, c'est 10 points. Un utilisateur limité, c'est 5 points. Et donc, selon les besoins des clients, on va créer un pool et on va identifier le nombre de points totaux dont un utilisateur aura besoin. Donc, juste pour montrer un exemple de base, donc supposons qu'on a un pool de points d'application. Un administrateur, il aura toujours 15 points qui sont toujours réservés. Comme ça, à tout moment, si un administrateur veut se connecter à la plateforme, il ne va pas être en court de points. Donc, l'administrateur, il est toujours là connecté. Après, on peut imaginer un utilisateur de base qui se connecte. Et là, il consomme 10 points de ce pool. Un autre utilisateur se connecte et il consomme 10 autres points. Et on a, par exemple, des inspecteurs ou bien des personnes qui font de l'inventaire, qui font d'autres activités, ils vont se connecter, ils vont consommer 25 points. Ben, dès que les utilisateurs de base, par exemple, les deux vont se déconnecter, ben, les points, ils vont retourner au pool. Et là, on peut avoir les limited users qui peuvent consommer plus de points. Donc, on peut imaginer que ces points-là, ils vont être utilisés par d'autres utilisateurs. Et comme vous voyez, toute la consommation, elle est autour de points. C'est unifié. Et bien sûr, ça permet, si on a une bonne compréhension des rôles des utilisateurs de la plateforme, ça permet d'optimiser l'utilisation de la plateforme et avoir une flexibilité sur comment on peut utiliser ces licences. Donc ça, c'est de manière sommaire, en fait, le grand changement au niveau de licensing que Maxim Application Suite apporte. Et donc, avant de passer à la fin, donc les questions-réponses, ben, il y a un petit sondage qui est important, c'est voir aussi quel est le module de masse qui vous intéresse le plus. Donc, un sondage va sortir. Prenez le temps, enfin 30 secondes pour répondre. L'idée, c'est que ça va nous permettre de planifier les prochaines activités et les prochains webinaires qu'on va faire en partenariat avec IBM. Donc, on voit que c'est un peu partagé entre Manage Mobile et Visual Inspection. Merci pour vos réponses. D'ailleurs, ça va nous aider à planifier. Donc, probablement, on va faire le prochain webinaire autour de Visual Inspection au mobile. Donc, on va prendre ça en considération. Donc, ici, en fait, on termine la présentation. C'était un peu dense. On a essayé de condenser beaucoup d'informations en 50 minutes. Ce n'était pas évident. Bon, je parle vite, tu sais. Et je pense qu'on a essayé de résumer. Ben, la main est à vous donc, pour poser des questions. Et on va essayer de répondre. On a 5 minutes pour le faire, pour être un peu dans l'heure, dans les 60 minutes du webinaire. Donc, à vous la parole. Hicham, il y a une première question. Masse ou ces modules peuvent-ils être ajoutés à Maximo 7.6? Fabrice, est-ce que oui. Je peux essayer de répondre, ouais, vous pouvez compléter si vous voulez après. Vous pouvez très bien vous intégrer un Maximo 7.6 1.2 à un des modules de Maximo Application Suite. Hein. C'est tout à fait faisable. D'accord. L'autre question par rapport à l'application iOS pour Visual Inspection, pour quand Android? Oui, la réponse, donc est-ce que c'est disponible seulement pour iOS? La réponse est oui. La question, je n'ai pas de réponse, c'est pour quand Android? As-tu une idée? Ouais. C'est pas encore exactement dans la roadmap. Alors, pourquoi est-ce que c'est sur Android aujourd'hui? C'est principalement à cause des prérequis autour de la possibilité donc de faire tourner des algorithmes de deep learning sur une appli mobile. Hein. Donc là, ça utilise la librairie CoreML qui est disponible sous iOS, pour ceux qui connaissent. Et donc, voilà, pour l'instant, il n'y a pas d'équivalent exactement sous Android, en tout cas qui a été développé et porté par IBM. Ça viendra peut-être, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, voilà, on peut espérer que ça arrive bientôt, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas.
Une autre question, est-ce qu'il y a une discussion appliquée à la même architecture? Est-ce qu'il y a discussion d'appliquer la même architecture à ICD, donc à Control Desk? Alors là, je peux pas vous renseigner là-dessus, mais c'est une question que je peux prendre en off éventuellement. Pour l'instant, c'est pas d'actualité, me semble. Mais je peux prendre le point. Parfait. On va répondre Aurélien pour ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Mohamed, je pense qu'il y a une question sur pour les clients qui utilisent une ancienne version de Maximo et comment ils peuvent passer vers la suite. Je vais faire une partie de la réponse et peut-être Fabrice va compléter. Enfin, ça dépend de la version où vous êtes. Donc, si vous êtes dans une ancienne version plus que 7.6 ou autre, ben, il faut voir un chemin d'upgrade pour être à la version 7.6. Et après, il y a les upgrades techniques, donc la migration si besoin. Et après, il y a tout ce qui concerne la conversion des licences. Donc, ça, selon le type de licence auquel vous avez droit, il y aura une conversion de licence vers les appoints et ça va vous donner en fait un nouveau pool de appoints pour consommer en fait Application Suite. Fabrice, tu peux compléter la réponse par rapport à ça. Non, mais je crois que Hicham, t'as tout dit. Effectivement, c'est le principe, c'est-à-dire qu'il y a des chemins de migration qui vont être proposés, qui sont proposés pour passer sous Maximo Application Suite avec des scripts, etc. Des scripts de migration. Une dernière question qui vient d'arriver. Comment entrer en communication avec vous pour ajouter les modules au Maximo 7.6? Aussi, peut-on migrer de 7.6 avec des licences primaires et secondaires conservées? Donc, pour conserver les anciennes licences, non. Donc, il va falloir les transférer sur des licences et des appoints. Sinon, Thierry, on va vous contacter après le webinaire pour vous aider par rapport à comment ajouter les modules Maximo 7.6 à la nouvelle AMAS, en quelque sorte. On va partager nos coordonnées avec vous. Une autre question de Borhen, est-ce que les modules présentés peuvent être installés séparément et les licences aussi? En réalité, l'installation, il y a une installation de masse, donc en quelque sorte la plateforme avec OpenShift, et ensuite les autres modules, ils peuvent être installés séparément, donc on n'est pas obligé de tout avoir, donc on peut les installer un à la fois. Sauf que qu'ils soient installés ou pas installés, donc la consommation, elle ne dépend pas de l'installation en quelque sorte, elle va dépendre de le nombre de quel module vous utilisez. Donc par exemple, si vous voulez essayer un module, je dis n'importe quoi, vous voulez essayer Visual Inspection, donc qu'il soit installé, il faut qu'il soit installé, vous l'essayez, ça ne fait pas votre affaire, donc vous n'utilisez plus les points correspondants. Donc c'est ça la flexibilité qui vient avec le modèle appoint, mais la réponse oui, on peut installer les modules séparément et on n'est pas obligé de tout installer. La base, elle doit être installée, la base masse, elle doit être là avec OpenShift, mais le reste, c'est vraiment des installations séparées. Donc, je pense. Je pense qu'on a plus de. On a d'autres. Merde. Je ne sais pas si on a d'autres questions, mais on est pile poil à 60 minutes du webinaire. Merci à toutes et à tous de vous être inscrits et d'avoir passé avec nous ces 60 minutes. Il est clair que MAS, c'est beaucoup de choses excitantes en fait, dans le monde de la maintenance, d'utilisation de l'AI, de IoT, de l'analytics et du cloud. Et vous allez recevoir d'autres invitations pour nos prochains webinaires en partenariat avec IBM. Ben, merci à Fabrice. Merci Mohamed, merci à l'équipe qui a participé à l'organisation du webinaire et on vous donne rendez-vous très prochainement. Merci. Bye. Merci, au revoir, bonne journée.